Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit, je reçois la société Rectavit, donc Thierry et Bernard, pour vous proposer une vidéo sur toute l'école qui existe dans leur gamme, mais qui a priori est reprise un petit peu sur le marché d'école. Et comme ça, ça va nous permettre de savoir quelle colle utiliser, pour quel usage, et répondre à pas mal de questions qui m'avaient été posées sous la vidéo où j'annonçais cette rencontre. Donc on va essayer de faire ça en deux ou trois vidéos, fonction justement de la manière dont on amène les choses et pour pouvoir répondre à tout le monde, et ne pas avoir des vidéos qui font deux heures. Donc on va essayer de scinder une vidéo sur les colles à bois avec les biberons et les parties cartouches, c'est ça? Et puis, on fera une vidéo sur les colles de montage et colles pulvérisables qui sont un petit peu plus spécifiques. Mais quoi qu'il arrive, c'est toutes des colles qui sont dans le travail et dans le domaine du bois et de la construction, c'est ça? Alors, voilà, je vais laisser la parole donc à Bernard, qui est le spécialiste de chez Rectavit. Et Thierry, qui est le stagiaire, si je comprends bien, finalement. On va dire ça comme ça. Je suis assez récent dans la société. Voilà, exactement. Et donc, on va commencer par les colles blanches. Donc, je vous laisse expliquer un petit peu ce que vous avez dans votre gamme, pourquoi on les utilise, etc. Et puis, moi, je viendrai alors avec les questions que les gens m'ont posées par rapport à ces différentes colles. Parfait, okay. Merci. Allez. Voilà. Dans notre gamme, Rectavit, en tant que société belge, on est quand même déjà plus que 50 ans sur le marché. Disons au début, on était surtout un peu plus concentré vers chaussures, vers les brosses. Mais comme cette industrie a disparu en Belgique, on s'est concentré de plus en plus avec nos produits vers le bois et la construction en général. En tant que fabricant belge, on a quand même au début certainement beaucoup concentré sur tout ce qui est colle à bois. Aussi à côté des produits colle blanche, aussi polyuréthane. Et ces dernières années, quelque chose quand même assez unique, c'est nos colles à bois à base de colle hybride. Et puis plus tard, on verra sur nos colles de montage, colles de contact pulvérisables. Alors, petit à petit, on mettrait aussi un peu la chimie dans nos explications, parce que c'est quand même bien important, quand on va coller, est aussi de comprendre comment les colles fonctionnent et pourquoi on va prendre certaines colles. Ouais. C'est surtout... Alors, tout ce qui est colle blanche, ce sont des colles qui ont un séchage physique, ça veut dire que en séchant, c'est uniquement l'eau qui se trouve dans cette colle qui doit s'évaporer. Voilà. C'est quand l'eau est évaporée alors que le collage... L'assemblage se fait, okay. En effet. Et puis plutôt dans les autres colles, polyuréthane ou colle hybride, là ce sont vraiment des réactions chimiques qui se font, d'accord. Il y a un durcissement chimique et pour ça au fait, on a besoin un peu d'eau. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Donc quand on nous dit qu'il faut amener une certaine humidité pour utiliser les colles polyuréthane ou même les colles hybrides, c'est parce que justement ça a besoin d'humidité pour se durcir. Donc et plus il va y avoir d'humidité, plus ça va durcir ou pas du tout? Certainement. On a besoin d'une certaine pourcentage d'humidité, mais pas de trop, parce que là aussi, on travaille avec du bois. Le bois, on ne travaille presque jamais au-dessus de 20%. Oui. Ici aussi, trop d'humidité, c'est pas bon c'est non ça. Plus. Donc on considère que l'humidité contenue dans le bois est suffisante ou on conseille quand même de légèrement humidifier, par exemple, les parties. Donc je vous donne un exemple. J'ai deux pièces de bois en collées entre elles. Champ à champ. Mm-hmm. Est-ce que je peux l'utiliser, considérer le bois, il est à 15% de taux d'humidité, par exemple. Si je les colle bord à bord, est-ce que le taux d'humidité est suffisant ou est-ce que vous me conseillez, par exemple, de prendre un pinceau légèrement imbibé dans l'eau, mouiller les champs et puis le coller? 15%, c'est bon. C'est bon. Mais souvent, dans nos ateliers, il y a des morceaux de bois qui traînent un peu et le plus délicat, c'est surtout en hiver. D'accord. Ouais, quand on va chauffer
et que le taux d'humidité descend, le taux d'humidité ambiante, et puis aussi du bois va descendre. Et une fois que ça commence à descendre en dessous, taux d'humidité en général, en dessous des 40%, on doit commencer à faire attention. D'accord. Ouais. Et à ce moment-là, le bois intérieur commence à descendre en dessous des 8%. C'est ça. Et à ce moment-là, il faut l'humidifier. Donc, par exemple, ça c'est intéressant ce qu'il dit, parce que, donc, souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur le taux d'humidité du bois et le taux d'humidité à avoir dans l'atelier. Donc, comme j'expliquais, et je suis content que monsieur le rappelle aussi, au début de l'hiver, le taux d'humidité dans les ateliers est fort haut et on commence à chauffer, le taux d'humidité explose. Puis à un moment donné, le fait de conserver l'humidité, enfin le chauffage dans nos ateliers, on fait drastiquement descendre le taux d'humidité dans l'atelier et les bois également. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en effet, pour les bois intérieurs, on va travailler avec des bois entre 7 et 10% de taux d'humidité. Donc si je comprends bien, ces bois-là, l'idéal, en tout cas quand on travaille avec des colles polymères ou de montage, il faut humidifier le bois pour être certain d'avoir suffisamment d'humidité et avoir un collage optimum. Ça fonctionnera, j'imagine, le collage, mais en tout cas, si on l'humidifie, le collage sera plus résistant. Oui. Donc, voilà, ça, vous voyez, c'est quelque chose que moi, j'apprends, puisque je n'ai jamais humidifié mes bois. Je le faisais, par exemple, avec les colles en bombe, asperger légèrement les maçonneries. En Belgique, on travaille beaucoup avec des murs en parpaing pour les Français, donc en bloc béton. Et donc, on asperge pour que les blocs s'habille un peu d'humidité et on utilise. Mais je ne le savais pas, par exemple, pour les colles hybrides et polymères. Exactement, voilà, la même chose. Voilà, c'est une réaction chimique qui s'est faite. Okay. Pas plus que ça. Parfait. Comme tu disais, simplement un petit pulvérisateur et c'est parti. C'est ça, ou un chiffon légèrement. Voilà, parfait. Et certainement, quand on travaille du médium ou des trucs comme ça, qui sont nettement sec, voilà. C'est très poreux. À ce moment-là, c'est plus important, certainement, quand on va coller ces produits-là, c'est avec des colles polyuréthane ou même hybrides, c'est de les légèrement humidifier. Ah, et une loque à ce moment-là, c'est parfait. Okay. Pas plus que ça. Oui, donc le médium, etc. Vous voyez, c'est une bêtise, mais sachant que le médium, on a peur de le mouiller parce que c'est un bois qui gonfle, mais apparemment, il faut quand même humidifier. Très légèrement. J'ai bien compris. Il faut prendre un chiffon légèrement imbibé, vraiment, même, ça, on ne doit même pas le tordre. C'est juste vraiment humidifié. Exactement. Ok, voilà. Parfait. Ben voilà, ça c'est déjà une des grosses différences avec l'école blanche et l'école hybride ou polyuréthane. Voilà. Et donc, tant que j'y pense, donc quand on parle d'humidité et donc fatalement d'atelier chauffé, est-ce que il y a des températures minimum d'utilisation, que ce soit pour l'école blanche ou pour les autres? Et je vous certainement avec l'école blanche. Oui, parce que là, dans l'école blanche, on a de l'humidité, donc de l'eau. De l'eau, non, mais oui, voilà, mais c'est une température minimum d'utilisation. D'accord. Pour qu'il y ait le film qui se forme. Et normalement, dans la plupart des fiches techniques, on a toujours là bien, on appelle ça souvent aussi le point blanc. D'accord. Ouais. Le gommage peut-être aussi. Non, le point blanc, c'est vraiment, c'est encore autre chose. Ça, c'est plutôt avec tout ce qui est colle de contact, pulvérisable. Okay. Le point blanc, c'est vraiment quand on va coller, par exemple, à une colle, on a des points blancs assez bas, 5 degrés. Ça veut dire que quand on colle avec la 230 à température ambiante de 3-4 degrés, ouais, la colle, elle va bien se sécher un peu plus lentement parce qu'il fait déjà plus froid. D'accord. Mais à ce moment-là, on aura plutôt un film assez blanc. Ok. Ouais. Et qui se casse très facilement. D'accord. Ouais. C'est pour ça que en dessous des 5 degrés avec nos colles, ça ne fonctionne pas. D'autre part, tous nos colles blanches, on les contrôle bien à gel dégel. Ouais. Okay. Alors ça peut être gelé dans un cycle 2-3 fois sans problème. Donc je peux par exemple laisser ma colle blanche dans ma camionnette, même s'il gèle comme aujourd'hui, parce qu'en Belgique il fait tout blanc là, et donc le laisser et puis le rentrer dans l'atelier et la réutiliser. La laisser reprendre la température ambiante. Oui, tout à fait. Pas l'utiliser quand il est gelé. Voilà. Mais en tout cas, on peut la mettre au gel et la réutiliser par la suite. Et ben ça, pareil, c'est une information que je ne connaissais pas, puisque la plupart du temps, moi, je rentre toujours mes colles de la camionnette dans l'atelier parce que j'ai peur que, justement, elles soient soumises au gel.
Pour une colle blanche, il n'y a pas, pas trop de soucis, mais c'est surtout à ce moment-là plutôt pour le mastic. Hein. Mastic, oui, mastic oui, acrylique, voilà, peinture acrylique. Une fois gelé, allez, tout produit acrylique, une fois gelé, là, c'est vrai, il faut jeter. Hein. D'accord. Donc ça, mais colle blanche. On va y revenir après. Ouais. Alors, moi, ce que je vous propose, je vais juste remettre une bûche dans le poêle, comme ça, nous, on reste au chaud. Et on va partir des colles blanches, donc de la droite vers la gauche, comme ça, vous montrez votre gamme. Ouais. Et nous, on comprend aussi quelles sont les différences entre une colle, je ne sais pas, D1, D2, D3, parce que ça, c'est aussi une question que les gens demandent, et savoir pourquoi est-ce qu'on utilise plus une D1, une D2, est-ce qu'on peut utiliser une D1 en extérieur, etc. Allez, je vais mettre une bûche. Merci. Allez, donc on est parti sur les colles blanches. Alors, colle blanche, je ne sais pas si ça existe, mais je dirais D0, D1, D2, D3, D4. Donc, je vous laisse dire. Voilà. Une des classifications pour tout ce qui est colle à bois, plutôt en général, c'est en effet la résistance à l'eau. Alors, la résistance à l'eau, c'est important. On dit D1 jusqu'à D4. D1, c'est intérieur classique. Au fait, c'est rare qu'on en trouve encore des colles vraiment D1. C'est plutôt éventuellement quand on va mettre... des chevilles, quand on fait des assemblages des meubles, à ce moment-là, parfois on va plutôt en industrie. D'accord. Ouais. Nous, ce qu'on met surtout sur le marché, ce sont des colles D2, D3 et D4. D'accord. Ouais, voilà. Vous en avez, mais c'est pas quelque chose. Voilà, mais c'est plutôt en industrie que ça se vend. D'accord. Ouais. C'est des grosses quantités quand on a vraiment besoin d'un produit très fluide. C'est ça. Ici, c'est plutôt pour travailler, pour menuiserie classique. À ce moment-là, D2 jusque D4 est plus que suffisant. Donc ça, c'est vraiment travaux intérieurs. Intérieur où l'humidité du bois peut augmenter jusqu'à 18%. Toujours. Ouais, mais cuisine. Nettement pas. Parce qu'en cuisine, à ce moment-là, on peut avoir une condensation d'eau. Donc même une cuisine, une D2, ce n'est pas suffisant. D'accord. Voilà. D2, c'est plutôt escalier, une table, des chaises, des trucs comme ça. Mais une fois qu'on commence à faire des cabinets de cuisine ou de salle de bain, à ce moment-là, on prend D3. D'accord. Voilà. Là, notre D3, c'est la 230, super. Aussi, à la limite, en extérieur, on peut l'utiliser si c'est sous abri, couvert. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est la D3. Maintenant, souvent, on fait ces jours-ci les chambres extérieures, voilà, avec une cuisine. À ce moment-là, comme c'est sous abri, on peut facilement employer une D3. Mais parfois, porter fenêtre, quand c'est complètement sous abri, que les intempéries ou que la pluie, voilà, à ce moment-là. D3 aussi. Mais ça ne doit pas être soumis à une eau ruisselante, en fait. Voilà. Une fois ruisselante, on doit passer à la D4. Et ça, est-ce que vous en avez aussi en colle blanche? Oui, voilà. J'ai justement celle-là. Voilà. La 230, 33, excuse-moi. C'est notre colle blanche D4. Une chose qu'il faut bien savoir, c'est que celle-là se conserve moins bien que les autres. D'accord. Alors, en termes de conservation, combien de temps, puisque vous me lancez la perche entre guillemets, combien de... Avec les colles blanches classiques, normalement, facilement, on peut aller jusque 2 ans. 2 ans. Oui. Okay. Là, 9 mois maximum à partir de la date de production. Voilà, ça c'est important. Ah oui, donc à partir de la date de production. Donc derrière le pot, j'imagine, ou sur le côté. Voilà, c'est ça. Voilà, on a notre... Ah, c'est 9 mois donc pour la D4. Ouais, okay. Donc toutes les autres colles, et donc les 2 ans, c'est aussi par rapport à la date de production toujours, ou par rapport à la date d'ouverture. Toujours à partir. Donc, ça c'est important ce qu'il dit, parce que moi j'ai toujours fait attention en me disant moi je suis entre guillemets gros consommateur de colle, puisque c'est mon métier, donc en effet j'ai pas mal de bois à coller, et je pars toujours sur un pot qui me permet de rester 1 an. Mais je n'ai jamais, pour être tout à fait honnête, vérifié quand je vais acheter mon pot de colle chez mon fournisseur, c'est important. S'il y a la date de production. Donc à retenir, les colles blanches se conservent 2 ans à partir de la date de production et non pas à partir de la date d'ouverture, et pour les colles D4,
ça se conserve 9 mois à partir de la date de production et de nouveau, pas d'ouverture. Non. Moi, j'ai une deuxième question par rapport justement à cette conservation. Une fois qu'on a ouvert nos pots justement, comment est-ce qu'on peut nous garantir ? Alors ceci, il y a le petit biberon et le petit pépillon, mais il y en a certains voilà, qui achètent ceci, la colle polyuréthane, je ne sais pas si vous en vendez en biberon. Ben oui, voilà. Ouais. Est-ce que c'est suffisant ce petit bouchon ou pas ? Parce que souvent, les gens ont l'air de dire que ça durcit. Et donc, j'en viens à une autre question. Une fois que ça a durci, est-ce qu'on peut la ramollir ? Certains parlent de le faire au micro-ondes. C'est ce que j'ai lu, hein, de nouveau. C'est ce que je dis. Internet et YouTube, je découvre et je vois quand même qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont écrites. Et donc, j'en profite que vous soyez là pour affirmer ou affirmer ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut entendre. Donc, voilà un petit peu. Comment est-ce que ça se conserve ? Combien de temps on le sait ? Et dans quelles conditions, surtout ? Les conditions, c'est une condition ambiante entre 5 et 35 degrés. Ouais, voilà. Ouais. Le mieux, c'est comme on travaille avec du bois et que le bois est souvent utilisé dans des endroits où on a une température entre 15 et 25 degrés. Voilà. À ce moment-là, normalement. Voilà. Et ben, ça c'est l'idéal. Voilà. Ça c'est l'idéal. Et souvent, faut savoir que les gens qui regardent les vidéos, il y a quand même énormément d'amateurs aussi, donc il y a beaucoup de professionnels. Et je pense à Swan Wild par exemple, mais d'autres, évidemment. Qui font ça dans leur garage où les conditions sont pas optimales. Mais il y a aussi pas mal de gens qui, en effet, sont dans leur garage. Et c'est souvent des questions qu'on pose plutôt pour les produits de finition, mais pour les colles, c'est aussi régulièrement arrivé. Donc, entendez bien, c'est important quand même de conserver une température assez intéressante dans son atelier. Il suffit d'acheter, par exemple, un petit poêle au gaz ou autre, le mettre dans l'atelier le matin, si vous travaillez le week-end dans votre atelier, pour avoir une certaine température et vous garantir des collages intéressants, mais aussi pour le travail du bois. Parce que il faut que le bois soit dans des conditions optimales. Ouais. Donc, bien entendre tous ces petits détails, parce que il y a une masse d'informations qui va tomber, mais c'est ces petits détails qui font qu'un projet est pérenne ou pas. Comme j'avais expliqué avec les sélections des pièces de bois, etc. Mais ici, c'est pareil. Je pense que l'utilisation des colles, quand on a des bricoles, c'est, je pense, je me trompe peut-être, mais c'est rarement à cause de la colle. C'est plutôt à cause des conditions dans laquelle on l'a utilisée. Et c'est aussi l'objet de cette vidéo, quelque part. Non, alors, conservation des PU, comment dit au début, une colle PU a besoin d'humidité pour durcir. Ça veut dire que dès qu'on ouvre le pot, il y a peu d'air qui rentre, il y a aussi un peu d'humidité qui rentre. À ce moment-là, ça veut dire qu'une couche se formera. C'est ça. Voilà. Alors, comment on peut prévenir ? C'est éventuellement de garder retourner à l'envers. C'est déjà. Parce que le produit qui ne réagit pas avec l'humidité est encore toujours bon. C'est ça, voilà. Alors, s'il y a une croûte qui se forme, le produit en dessous, c'est bon. Mais ça, j'ai remarqué, par exemple, la Structane, ici en cartouche. Moi, je l'utilise, je laisse se former un bouchon dessus, je ne mets même pas le bouchon. Et c'est réutilisable. Ah. Après, pareil, je ne connais pas, on va y revenir, les dates de péremption. Mais moi, ça, je garde très longtemps. Hein. Oui, mais normalement, on dit un an aussi. Ah oui. Voilà. L'école PU, c'est normalement aussi environ un an. Et dans les biberons, pareil. Pareil. Ouais. Et en termes de, je vais dire, de conception ou d'utilisation, est-ce que celle-ci, c'est la même que celle-là, c'est juste le contenant qui est différent ou il y a quand même... Non, il y a quand même des grosses différences déjà dans la chimie même, disons. C'est une colle ombre. Les deux Structane Express sont des produits clairs. D'accord. Voilà. Et puis là, c'est une colle remplie, mais nettement aussi différent. Le fait que ça soit plus foncé, est-ce que ça a une incidence sur... Non. C'est juste le mélange. Voilà, c'est uniquement... Les composants, mais en termes de résistance... Est-ce qu'il y a une différence? Pas de différence. Parce qu'il faut quand même savoir, justement, les colles à bois, même une colle blanche, ce sont des colles très costauds. On oublie ça souvent. Non. Le bois, quand ça travaille, ça donne des forces immenses. C'est parfait. Une colle qui est flexible pour permettre de travailler. Une idée, quand on a une force de résistance au cisaillement. Ouais, voilà, on met deux plaques et on essaye de tirer dessus. Combien de force on a besoin ? Je sais pas, moi, 200 kilos, 300 kilos. Sur quoi ? Sur quelle superficie ? Voilà. On va dire que je colle un plateau de table, donc un champ qui fait 30 mm d'épaisseur et une pièce qui fait 60 cm, par exemple, de long. Ouais, c'est déjà difficile à calculer, mais disons que
Une colle blanche, en force de cisaille, colle blanche, ou colle, les pays nettement encore un peu plus, mais une colle blanche a une résistance à 100 kg au centimètre carré. Oui, donc c'est ça. Donc voilà. Ça veut dire que sur un centimètre carré, si on a 100 centimètres carrés, c'est une tonne. Même plus, hein. 10 sur 10. Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, même plus, hein, même plus. Allez, si on prend un petit carré de 10 centimètres sur 10 centimètres, c'est 10 tonnes. Voilà. Et donc, ça me fait rire parce que beaucoup de gens se moquent. Moi, je fais beaucoup de fautes de français. Enfin, en tout cas, des fois, fautes de grammaire ou des trucs comme ça, ça me fait rire. Je parle de pression atmosphérique quand il faut parler de la... Enfin, bon, bref, ça m'arrive de faire des énormités. Et un jour, j'ai fait une ossature bois où j'utilise une de vos colles pour fixer contre un mur qui a, je crois que c'est une résistance à 200 kg au centimètre carré. Donc, X tonnes sur la totalité de ma planche. Oh, et des gens m'ont dit, ouais, n'importe quoi, ça veut dire que ça fait à peine 20 kilos. Mais non. Donc, voilà, à un moment donné, il faut aussi essayer d'ouvrir les yeux. Il y a des démonstrations. Alors, je ne sais pas si Rectavit le fait. Moi, j'avais été sur un salon où ils accrochaient une planche de bois à un camion, collé à un mur, et le camion avançait pour tirer la plaque de bois. Et je crois que c'était après... allez, 1 minute ou 1 minute 30 où le camion avançait, que la pièce se décollait. Ça, c'est des tests d'arrachement. Voilà. Ouais. Donc, tout ça pour dire que c'est énorme en termes de résistance. Et donc, c'est bien aussi de pouvoir lire sur l'arrière. Mais quoi qu'il arrive, quand on fait des travaux intérieurs, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des colles polyuréthane pour faire, ben, ça m'est arrivé aussi, hein, pour faire des plateaux de table ou pour faire des portes. Moi, ce que je conseille, et vous allez de nouveau me dire si je fais bien ou pas, la colle polyuréthane pour des assemblages intérieurs ou de bois qui vont être à l'intérieur, c'est quand l'assemblage a été mal réalisé et qu'il y a un petit peu plus d'espace. Et donc, la colle polyuréthane, le fait qu'elle va gonfler, je vois qu'il fait une drôle de tête, donc il va me corriger. Mais c'est bien, mais c'est très bien. Contrairement à la colle blanche qui, elle, moi, j'ai déjà remarqué que si elle n'est pas en contact plein avec le bois, elle aura tendance à casser plus vite. Alors, je vois que vous faisiez une drôle de tête, donc dites-moi. Oui, voilà, l'ajustement. Justement, pour arriver à ces grosses forces de résistance, on a besoin d'un processus bien contrôlé d'encollage. C'est l'ajustement des pièces, c'est important. Évidemment. Ouais. Mais même pour la PU, j'ai déjà remarqué aussi que quand l'assemblage est un petit peu trop serré, si on en met un peu trop, ça casse l'assemblage. Oui, mais si nous on fait des tests, oui, on voit que l'ajustement pour une colle blanche, ça va jusqu'à 1/3 de millimètre. D'accord. Ouais, à peu près 1/3. Alors, 0,35 millimètre, voilà. Une colle PU transparente, ça veut dire on est dans l'estructane ou même ombre, mais c'est encore toujours transparent, même la rectane à ce moment-là, a besoin d'un ajustement plus important. On est à 1/5 de millimètre pour qu'elle soit top. Ah oui, d'accord. Donc l'ajustement doit être encore plus précis finalement avec de la structane qu'avec une colle blanche. Voilà, parce que c'est vrai, une fois qu'on donne trop de place à la colle, elle gonfle, et à ce moment-là, elle fait une mousse et pas de colle. D'accord, oui. Donc maintenant, je comprends un peu le principe. Donc moi, ce que je pensais, c'est que le fait que l'assemblage soit un petit peu moins ajusté, je vais dire, la colle, en effet, remplit l'espace. Et, elle remplit, et, c'est vrai. Et donc conserve, je vais dire, l'assemblage. Alors, à mon avis, ça fonctionne quand même, mais la résistance de la colle est amoindrie par rapport au résultat annoncé. Et on voit qu'on a des diminutions de 50%. Hein. Oui, donc ça veut dire que le fait d'être vraiment bien ajusté, la colle va venir être raclée. Comme elle n'a pas d'espace pour gonfler, là, elle ne gonfle pas alors. Non, elle gonfle dans les pores du bois. Oui, mais elle ne va pas pousser. Pousser, non. Eh bien, voilà encore une sacrée information, parce que, donc, bien penser à ça, mais c'est super important, parce que dans mon esprit, et je pense dans l'esprit de beaucoup de gens, la colle structane peut être utilisée justement dans le cas où les assemblages sont moins bien faits, et parce que ça va remplir les interstices. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Il faut surtout que les assemblages soient bien ajustés pour utiliser de la structane. Allez, les structanes classiques, parce qu'on a la structane power, à ce moment-là, la structane power, comme c'est une colle remplie, on a mis... C'est la fibrée, voilà. C'est là, on peut aller jusqu'à 1/2 millimètre
sans que ça perde trop de sa résistance. Et donc là, les fibres s'assemblent entre elles, parce que ça, j'avais eu la démonstration. Ouais. Donc, si vous avez foiré, on va dire, votre assemblage, attention, vous entendez, foiré, c'est 0,5 mm. Donc, 0,5 mm à droite et 0,5 mm à gauche, j'imagine, de l'assemblage. Non, c'était trop, c'est 0,5 mm de totalité de l'assemblage. À ce moment-là, on va vers l'extructant color. Là, on peut aller jusqu'à 1 mm. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on va devoir passer sur l'école de montage. Non, hybride, polymère. Voilà. Donc vers l'école polymère. Donc à partir du moment où on a foiré son assemblage, ben oui, mais il faut faire un chat, un chat. Il faut se rattraper avec ça. Voilà, et ben voilà. Ouais. Et ben, moi, j'avais tendance justement à utiliser de la structane et je l'ai déjà dit en vidéo, donc oubliez ce que j'ai pu dire auparavant. C'est super important pour moi justement de ne pas induire les gens en erreur. Donc, si vous avez foiré votre assemblage, eh ben, il faut utiliser dans ce cas-là de la colle polymère pour justement, parce que j'imagine qu'elle elle va être un peu plus flexible et elle va... Là, ce sont des colles qui sont aussi faites pour être des colles à bois. Ça veut dire qu'ils ont aussi une résistance au cisaillement de 10 newtons, de 100 kg au centimètre carré, parce qu'une colle polymère classique n'a qu'une résistance à 20-30 kg au centimètre carré. Ici, on est de nouveau au-delà. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est ces colles-ci, elles sont cassantes. C'est-à-dire que quand elles sont séchées, c'est légèrement flexible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Celle-ci, elle est cassante, pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a durci, quand on passe au ciseau, c'est cassant. Tandis que celle-là, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être ma réflexion est mauvaise dans le sens où le fait que ça gonflait et que c'était dur, je me dis ben voilà, ça a rempli et c'est cassant, mais c'est tellement solide cette colle que ça rigidifie. Tandis que celle-là, le fait que ça remplit les interstices mais que ça reste légèrement flexible, notre assemblage est plus résistant finalement qu'avec une colle qui est cassante. Ouais. Mais voilà, mais c'est génial. Hein? Moi, je suis super content de vous avoir fait venir parce que j'ai déjà appris moi-même plein de trucs. Comme je viens de dire, le processus d'assemblage ou d'encollage, c'est important. Alors, c'est l'ajustement, c'est un. L'humidité du bois, c'est deux. Parce que quand on fait tout ce qui est travaux intérieurs, le bois doit être entre 7 et 12 maxi, voilà. C'est beaucoup, 10 c'est bien. Ouais. Extérieur, c'est entre 12 et 18, voilà. 15 en moyenne, 15 en moyenne, c'est bon, voilà. Deux, l'ajustement, mais aussi, alors, ce qui est important, c'est le temps entre le dernier passage, le rabotage ou des trucs comme ça, et l'encollage. Ouais. Pour être bien, on doit dire que l'encollage doit se faire 24 heures au maximum après. Le mieux, c'est le même jour. Parce que le bois a déjà libéré une partie d'humidité à l'intérieur du bois. Ça aussi, mais parfois aussi, il y a dans le bois même des essences qui commencent à sortir. Et par exemple, le plus fort, c'est surtout quand on travaille le teck, par exemple. D'accord. Le teck, c'est gras. Oui. À ce moment-là, il y a ce type de graisse qui commence qui ressort, c'est un petit peu comme les tanins avec le chêne, ou le noyer qui est aussi un donc bien pensé. Moi, ce que je fais, je vous explique et puis vous me dites. Ouais. Moi, je dégauchis, je mets un champ d'équerre et je mets à épaisseur, mais une surépaisseur la veille de mon travail. Une fois, quand j'ai des gros projets, vous voyez, cette porte, donc c'est beaucoup de montants en travers, etc. Je les laisse poser, moi, une nuit. Donc, je fais ça une journée, je les laisse poser une nuit. Le lendemain, je vois déjà les bois qui sont vraiment restés stables par rapport à mon dégauchissage, etc. Et puis, fonction de ça, je les mets pile à l'épaisseur avec 0,5 mm de surplus, puisque le bois se rétrécit toujours. Je l'ai déjà expliqué en vidéo, mais voilà. Et puis, mes assemblages, finalement, je les fais que peut-être le jour même, mais des fois le lendemain, à savoir que quand je fais ma mortaise, etc., c'est là, j'imagine, que les parties à encoller se libèrent. Donc, c'est à partir du moment où on fait le façonnage des tenons et des mortaises ou des enfourchements ou peu importe l'assemblage, c'est à ce moment-là de façonnage qu'il faut essayer de respecter un maximum de 24 heures entre le façonnage des tenons, mortaises et l'encollage. Tout à fait.
on en apprend des choses. Voilà, et certainement aussi quand on va lameler deux, trois parties l'un sur l'autre, quand on a dégauchissé, ben c'est d'essayer d'en coller le plus vite possible. Ouais, le plus vite possible. Okay. Parce que là, on conserve le taux d'humidité du bois interne, plus tous les composants comme la lignine, etc., j'imagine. Ouais. Et les tanins, éviter qu'ils ne puissent remonter et peut-être altérer une partie de colle, aussi, ou les graisses comme le padoux. Ah oui, ça aussi, Parce que ça, moi, j'ai déjà fait les frais et je l'ai déjà aussi expliqué en forum sur Facebook. Et donc, voilà. Mais tout ça, je savais. Mais par contre, je ne savais pas que le temps était si réduit, entre guillemets, entre le dernier moment du façonnage et l'encolage. Voilà, on voit quand même, parce que justement, pour arriver avec cette force-là, Que les choses soient claires. Hein. Si vous faites vos assemblages, vous laissez votre travail 15 jours, la colle fonctionnera. Ici, on parle d'avoir les forces optimum et maximales à respecter par les colles. Donc si vous avez un assemblage délicat à réaliser où vous savez qu'il va être soumis à des forces supérieures ou plus importantes qu'à l'habitude, ben, pour mettre toutes les chances de son côté et avoir la résistance optimum des colles, il faut respecter toutes ces étapes-là. Mais évidemment, faut pas attendre. Voilà, si vous n'avez pas le choix, des fois, ben, on a toute une série d'assemblages faits et on ne peut les encoller qu'une semaine ou 15 jours après, ça fonctionnera, mais avec une diminution... Une résistance moins importante. Exactement, une diminution des capacités. Alors, est-ce qu'on passe... Donc, tout ça, je pense que vous avez présenté les colles. Donc, colle blanche, D2, D3, D4, ça va voilà. Ceci. Les colles Structan, donc c'est la polyuréthane, mais elle est en cartouche, c'est juste le composant chimique, mais en termes de résistance, tout va bien. On a la colle fibrée, donc avec des petites fibres à l'intérieur qui permettent d'assembler avec un assemblage un peu moins bien ajusté. Voilà. Et maintenant, donc, on va passer aux colles polymères. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport au biberon. On va sortir maintenant des seaux avec un robinet pour pouvoir remplir plus facilement les biberons, pour qu'ils puissent être réutilisés. Ne te tracasse pas, parce que je vais y revenir avec mes questions, puisque les gens ont demandé un petit peu, comment est-ce qu'on a le temps de pressage, parce qu'il y a des temps d'ouverture, parce qu'il faut absolument respecter, donc tout ça, je vais y venir. Donc là, on montre un peu toute l'école, mais ne te tracasse pas, j'ai des colles aussi, mauvais jeu de mots, des colles pour de la colle. Alors, dans tout ce qui est colle à bois, on a encore les colles polymères. Alors, l'avantage des colles polymères, c'est déjà un, ça remplit nettement mieux, ça c'est déjà un top. Donc on travaille comme un boulain. Deux aussi, de plus en plus, on a des gens qui sont quand même plus sensibles aux isocyanates, un des composants des polyuréthanes. Parce que c'est produit chimique, ça. C'est produit chimique. Voilà, c'est aussi un peu, on a quand même les signes de danger qu'on a sur les colles polyuréthanes. Et pour ça, au fait, quand on l'utilise, on doit toujours porter des gants. Important. Oui, et d'ailleurs, sous la cartouche, et mais sous les cartouches, moi, j'achète la Structan, j'en consomme beaucoup, il y a à chaque fois une paire de gants dedans. Oui, donc il faut toujours utiliser les gants. Le gant qui est fourni. Avec tout ce qui est polyuréthane, c'est parce qu'on voit quand même de plus en plus des gens qui sont sensibles aux isocyanates. D'accord. Voilà. Ça se trouve dans tout produit polyuréthane. Et quel est le problème, en fait? C'est des allergies. Allergie, cutanée. En termes de, au niveau respiratoire. Là aussi, on peut avoir, mais comme ce sont des produits bien encapsulés dans des produits liquides, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment au niveau cutané qu'on peut avoir des soucis. Donc l'idéal, c'est mettre des lunettes éventuellement si on en met partout et qu'on met des spritches. Mais sinon, toujours des gants pour éviter d'en avoir sur les doigts. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Aussi, des gens qui vont pistoler des produits à base de polyuréthane, à ce moment-là, c'est vrai, c'est très important. C'est ça, un masque contre les colles pulvérisables, etc. C'est moins dangereux. Voilà, mais je suis content d'entendre parce que, quand j'ai fait les vidéos où j'ai fait cette porte, j'utilise votre colle et on m'a fait évidemment la remarque parce que moi, je me suis fait opérer des sinus il y a quelques années et je ne supporte plus les masques, en fait. Quand je mets un masque respiratoire, j'ai un tout gros 3M, j'ai un mal de tête pendant 3 jours. Alors, je pourrais mettre un petit masque de protection, etc. Et c'est vrai que je ne le mets pas. Et donc, on m'avait fait la remarque en disant, avec cette colle-là, c'est quand même important de mettre cette colle-là. Donc, toi, tu es un peu plus mitigé. Tu dis, c'est pas spécialement obligatoire. C'est pas spécialement obligatoire. Au fait, maintenant, il y a même des produits en phase aqueuse qui sont plus dangereux que des produits synthétiques. D'accord. Okay. Parfois, on dit que
les produits en phase aqueuse sont moins dangereux, non, mais finalement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Non, non. Il faut bien lire toujours sur les produits ici, dans cette panoplie blanc, ce qu'on doit faire. D'accord. Okay. Ouais, ça, c'est toujours bien. C'est important de regarder parce que, voilà, moi, je ne le connais pas suffisamment. Je pense à Jaco ou Jacou 29 qui me parlait de soucis de santé respiratoire, etc. C'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment. D'ailleurs, j'aimerais faire une fois venir un médecin ou une entreprise de pays qui pourrait nous informer sur les différentes pathologies d'une part et les risques qu'on encourt avec tel ou tel produit parce qu'on n'est pas suffisamment au courant, comme la poussière de bois, cancer des sinus, cancer des poumons, etc. On en est conscient. Mais par exemple, voilà, les mains, ça je ne savais pas. Et les cols pulvérisables, je suis quand même rassuré aussi de savoir que c'est moins dangereux finalement. Et pour la petite anecdote, la colle rose... Donc, j'ai pulvérisé. Donc, moi, j'ai pris la transparente. Mais la rose, elle a une odeur de fraise. Et ce n'est pas une blague. C'est une petite odeur de fraise. Et c'est marrant. Donc, après, ça n'enlève probablement pas les émanations de certains produits nocifs. Non, pas du tout. Mais en tout cas, voilà, a priori, c'est pas si grave qu'il ne faut pas minimiser. On doit toujours bien travailler dans un endroit aéré. La porte de l'atelier était ouverte pour ceux qui sont un peu observateurs, vous l'avez vu d'ailleurs. Donc ça, oui, mais voilà. C'est important aussi de dire tout ça parce que ça reste des produits chimiques. Ça reste On a une seule santé. Non, non, parce qu'il faut savoir aussi que, surtout pour les professionnels et pour les bricoleurs, on peut dire, c'est surtout important porter les gants, longue manche. Ouais. Aussi, quand on va utiliser les mousses polaires, même chose, et des lunettes de protection. Voilà, ça c'est le plus important. C'est voilà. Pour les professionnels, il faut savoir aussi que à partir du mois d'août cette année, tout professionnel qui utilisera des produits à base d'isocyanate, à base de polyuréthane, devra avoir un certificat. Alors, de petit en petit, on commence à communiquer ça sur nos produits. C'est un petit certificat qu'on peut faire en ligne. D'accord. Ça prend à peu près une demi-heure. C'est une vidéo, répondre à quelques questions. Et après ça, on a le certificat. Donc, on doit avoir un certificat pour expliquer qu'on est capable d'utiliser ces cols-là. Une info importante. Et ça, c'est pour toute l'Europe ou c'est pour la Belgique? C'est pour toute l'Europe. C'est pour toute l'Europe. Donc, sachez, si vous êtes professionnel, et je sais qu'il y en a qui regardent la chaîne, a priori, on doit remplir un document qui nous, à partir de février août. À partir de août 2023, on va devoir remplir un certificat qui nous permet d'utiliser ce type de produit. Et si on n'a pas rempli ce certificat, j'imagine qu'on risque des amendes ou ce genre de choses. Voilà. Mais il n'y a pas trop de contrôle là-dessus, c'est vrai. Je me doute. Mais disons que, voilà, sachez, c'est quelque chose qui existe. Ouais. Et donc, on va de plus en plus, on tend de plus en plus vers l'écologie et vers la protection des gens et de la santé. Et ce n'est pas mal du tout, c'est même très bien. Mais donc, voilà, sachez qu'il y a des choses, et ben, je l'apprends. Ouais. Donc, c'est aussi intéressant de le savoir. Et c'est pour ça, au fait, qu'on met des produits comme le Structan Color sur le marché, qui sont à ce moment-là des produits qui n'ont pas de labellisé dangereux. D'accord, donc celui-là, c'est zéro COV. Voilà. Il y a moins de COV. Il n'y a pas zéro, mais il y a moins. Je dis zéro parce que je travaille avec les produits de chez Rubio. C'est zéro COV. Disons. Voilà. L'avantage, c'est que, une chose que certainement des gens qui ont utilisé des cols polyuréthane, ils savent que, OK, les mains, après une journée, c'est noir. Hein. Oui. Ouais, ici, au fait. En fait, honnêtement, ça dépend. Ça dépend. Si on est propre. Oui, OK, c'est vrai. Ça me fait rire, ça. Il y a des gens qui vous disent qu'on en met dans les cheveux aussi. Hein. Oui, voilà. Non, bon, moi, j'ai rarement les mains noires. Si on est un peu propre et qu'on ne bourre pas comme. Mais c'est vrai. Et donc, cette histoire noire, C'est pour ça qu'on doit. La réaction de l'eau qu'il y a dans la peau avec la polyuréthane. Et ça. Alors, ces cols-là n'ont pas cette réaction-là. C'est aussi des cols qui ne gonflent pas et qui sont nettement plus faciles à utiliser que les cols pulvérisables. Parce que, comme aussi. Dans le processus d'encollage, une fois qu'on a encollé, c'est mettre la pression. C'est ça. Ça, on va y revenir. Donc, j'imagine, toutes ces colles-là, puisque, donc, si je comprends bien, ces quatre colles-là, c'est les quatre mêmes, c'est juste le coloris. La coloris, voilà. Donc,
Je vais essayer de synthétiser un petit peu, parce qu'évidemment, on parle, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui sont non seulement passionnés par leur métier, qui connaissent, et quand on est de l'autre côté, moi je suis ici, comme un gamin, pareil, c'est-à-dire que je découvre beaucoup de choses. Donc, on a l'école blanche, on s'en souvient, on a l'école Structan, et on a l'école hybride. D'accord ? Donc, c'est pas Structan, ça. Si, c'est Structan aussi, mais c'est hybride. Hybride. Mais disons qu'elles ne sont pas PU. Non. Voilà, donc c'est l'école hybride, colorée, et qui vont vous permettre, qui restent flexibles, d'accord ? Mais ce sont toutes des colles pour coller du bois sur du bois. Pas nécessairement. En tout cas, celle-ci. Ben, si on peut coller le bois, mais ça fonctionne aussi bien. Certainement, les PU, ça fonctionne sur le métal, sur tout voilà, ce qui est PVC. On y revient. Donc juste alors, l'école blanche, bois sur bois, Structan, bois sur bois et éventuellement autre chose, et les hybrides, pareil, ça c'est bois et aussi sur d'autres supports. Tu parlais maintenant du temps de pressage, donc on en arrive à ça. Colle blanche, colle Structan et hybride, est-ce qu'il y a des différences ? Déjà, dans l'application, on commence avec ça. Quand on a fait le choix de sa colle, c'est dans quelle ambiance la pièce finale sera, ça veut dire intérieur-extérieur. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, c'est temps d'ouverture. Voilà. C'est aussi quand même important de prendre une colle en fonction du travail qu'on doit faire. Si on a un assemblage facile d'une fenêtre ou d'une porte avec quatre mortoises tenants à faire, ok, il n'y a pas trop de soucis. Avec une colle blanche, temps ouvert, 8 minutes. Et donc, le temps ouvert, ça c'est une question qui m'a été posée, donc j'ai rebondi dessus, c'est à partir du moment où on a appliqué la colle assemblée et pressée, ou est-ce que c'est... Non, c'est appliqué et fermeture. Voilà, donc une fois que l'assemblage est fermé, les 8 minutes commencent. Non. C'est le temps que tu as pour mettre les deux pièces ensemble. Ça, c'est le temps ouvert. On a le temps ouvert fermé. Ça veut dire que, une fois qu'on a fermé, on a encore le temps d'ajuster et de mettre sous pression. Et puis, il y a le temps de pressage. C'est ça. Voilà. Et ces trois temps, c'est quand même très important. Sur tous nos produits, on met toujours ces temps-là. C'est toujours noté dessus. Il y a le temps ouvert et le temps de pressage. Voilà. C'est ça. Donc, le temps de pression ici, 120 minutes. Ensuite, il est mis 15 minutes temps ouvert. Les températures d'utilisation. Voilà. Et alors, il est noté 1 à 3 kg au centimètre carré. Donc ça, j'imagine que c'est la pression à exercer. Alors ça aussi, c'est une question qui m'a été posée. Est-ce que déjà, il y a des différences de pressage de la colle blanche aux autres, ou est-ce que c'est le même ? C'est à peu près le même. Sauf celle-ci. Ouais, là, ça, on y reviendra. On va dire que les colles Structan, donc les PU et les blanches, qui sont les plus utilisées, on va dire les plus connues du grand public, c'est la même pression. Mais une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut serrer comme un bœuf, ou est-ce que, quand on le fait à la main, c'est difficile de jauger. Ça, c'est très difficile. Tout à fait. Ouais. Là-dessus, c'est surtout une question d'utiliser suffisamment de serre-joint. C'est ça. Parce que là, on peut très bien avoir un plateau de table qui fait cette taille-ci. Si je mets un serre-joint ici, un serre-joint ici, un serre-joint là, c'est pas suffisant. Non. Voilà. Il risque d'y avoir des endroits où la colle ne va pas prendre. C'est ça. Donc c'est vraiment le nombre de serre-joints qui vont être utilisés. En fonction de la grandeur de la pièce. Au niveau de qu'est-ce que vous conseillez justement en termes de distance entre les serre-joints ? La distance entre les serre-joints, c'est... l'épaisseur des matériaux, c'est le double de l'épaisseur. Ah oui. Si on a un plateau qui fait 4 cm, 8 cm entre chaque serre-joint, en travaillant par exemple avec ce type de serre-joint. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc vous savez les serre-joints que j'utilise, on s'en fout de la marque, mais le type de serre-joint avec poignée. Par contre, les serre-joints à dormant, donc les métalliques, ceux-là, ils donnent encore plus de pression. Si j'utilise la même pression avec mes serre-joints à dormant que ceux-ci, mais en respectant donc le double d'épaisseur d'espacement entre les serre-joints, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Aussi bien pour la colle blanche que pour la colle PU. Alors, au niveau des séchages, moi, ça m'intéresse parce que beaucoup de personnes, je sais que vous avez une colle qui sèche très vite au niveau de la polymère, mais au niveau des colles blanches, souvent, on nous dit, il est écrit 2 heures, c'est bon. Alors, moi, je vous dis ce que je fais. Moi, j'en colle toujours fin de journée. Pourquoi ? Parce que le lendemain matin, j'arrive, je prends le surplus. Certaines personnes collent le matin et retirent le surplus qui est encore un petit peu humide.
moi, voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça fin de journée? Parce que je considère qu'il faut un minimum de 12 heures pour que la colle soit totalement prise. Mais ça, c'est par sécurité. Et puis, quand j'étais plus jeune, quand j'apprenais, hein, on parlait de 24 heures. Alors, j'imagine que les colles ont évolué. Mais est-ce qu'on peut réellement dépresser nos bois après 2 heures ou pas? Bah, tout dépend un peu de la colle qu'on a pris. De nouveau, ça, c'est écrit derrière. C'est écrit derrière. Voilà, allez, 120 par exemple. 120 minutes, mais ça veut dire qu'à ce moment, après 120 minutes, après 2 heures, ben, on est déjà à 40 à 50 kilos au centimètre carré déjà. On est déjà assez haut. Donc on est déjà plus ou moins à la moitié de la résistance. Finale. Avec l'express ici, comme aussi avec la Structan Express, 15 minutes, une demi-heure est plus que suffisante. Ah oui, et donc on est déjà dans une résistance suffisante. Suffisante, oui. Okay. On voit même dans certaines industries, la 230 par exemple, la D3, on a des installations où on a un temps de pressage de 90 secondes, bien que c'est marqué 2 heures. C'est ça. Hein? Mais à ce moment-là, on les met sous une presse chauffée à 80 degrés, à 80 degrés pour coller du strat sur de l'aglo. Oui, voilà. C'est ça. Donc toutes ces colles-là, évidemment, elles ont des utilisations aussi spécifiques. On peut les utiliser pour coller du plaquage. Moi ici, vous avez vu que j'ai collé avec la colle pulvérisable, mais on peut utiliser des colles blanches avec des presses, avec légèrement chauffé pour que la colle... Et c'est là que souvent on parle de gommage, en fait, en général, par rapport au stratifié ou par rapport au plaquage. Mais ça, c'est des choses vraiment très spécifiques. Moi, à mon niveau, en tant qu'artisan et de l'atelier dans lequel je travaille, je n'ai pas ce type de choses. Mais par contre, de nouveau, ces colles-là sont adaptées à ce genre de travail. Et pareil, c'est écrit derrière. Et en effet, pour avoir travaillé avec d'autres marques, je ne me souviens plus quelle marque j'avais avant, moi, de biberon, parce que chez Lecotte, en fait, ils ne me vendaient pas Rectavit. Ça aussi, les gens, mais on y verra après où est-ce que vous vendez, et on fera ça sur la deuxième vidéo où vous vendez vos produits, etc. C'est qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on partait dans cette idée, oui, c'est 24 heures, ou alors il faut aller sur le site internet pour avoir les infos, personne ne le fait, évidemment. Donc ici, c'est vrai qu'il faut reconnaître, c'est vraiment bien fait parce que vous avez la température d'application, la température minimum et maximum d'application d'une part, les temps de séchage, de pressage, etc. Donc, on essaye d'avoir l'info primordial directement. Mais ça, c'est vrai. Et c'est pas parce que vous êtes là que je le dis. C'est chouette. Quoi. Allez, parfois, on peut aussi un peu jouer avec le temps ouvert. Parce ici, la 230, la colle blanche D3, on met 8 à 10 minutes. Allez, 8 minutes. Mais par exemple, si on dit OK, 8 minutes, c'est un peu court, on peut aller jusqu'à 12, 15 minutes à ce moment-là, si on en colle les deux parties. Parce qu'à ce moment-là, on est sûr que on a une adhérence avec la colle mouillée qu'on applique sur le bois. D'accord. On a une adhérence. Le plus grand problème, c'est que quand ça commence à faire une croûte au-dessus, c'est ça. Voilà. Et on a plus de problèmes avec les PU qu'avec une colle blanche. Ouais. Là, c'est déjà. Oui, quand ça commence à craquer, ça veut dire que là, à la limite, vaut mieux l'arracher et recommencer. On est déjà trop loin dans le processus de séchage. Tant que j'y pense, parce que sinon, je vais oublier. De toute façon, je ferai certainement des montages, récupérer des parties. Est-ce qu'il existe des tableurs qui reprennent soit vos colles avec justement le temps de séchage, le temps d'application, etc., soit sur votre site internet ou ailleurs, est-ce qu'on peut retrouver ce genre de choses? Sur notre site internet, on vient de le renouveler aussi. Toutes ces informations se trouvent là-dessus. Sur le site internet. Donc là, on a vraiment toutes les informations avec les tableurs éventuellement, de pressage, etc. Il y a énormément d'informations sur le site. Je parle forcément des colles puisqu'on en parle. Mais quel que soit le produit que vous allez retrouver sur notre site, vous allez avoir la fiche technique de chaque produit sur le site. Donc. C'est ça. OK. Donc là, on a vu le temps de pressage, le temps ouvert, temps fermé. Donc ça, c'est vraiment sous presse. D'accord. Voilà. Et puis, nettoyage. Donc ça, c'est une bêtise. Mais est-ce qu'il existe des produits spécifiques pour retirer, par exemple, les traces de colle blanches, PU ou hybrides, une fois séchées, ou... Si, ben voilà, je suis maladroit, je fais tomber le pot, j'en mets par terre. Est-ce qu'il y a des colle blanche, c'est une colle en phase aqueuse. Ça veut dire que
à l'eau. L'eau tiède fonctionne nettement toujours mieux que l'eau froide. Quand on vient de coller et qu'on veut retirer un peu d'excès, on prend un chiffon et on le retire immédiatement. Sinon, on le coupe au ciseau et on va le poncer. Pas grand-chose là. Ouais. Allez, une fois que les cols sont secs, c'est difficile. Voilà, donc une question qu'on m'avait posée, et moi j'avais donné une réponse en disant que ce n'était pas possible de récupérer un pinceau, donc moi je mets souvent au pinceau ou au rouleau. Une fois que votre pinceau ou votre rouleau est sec et durci avec la colle, certaines personnes avaient dit qu'on pouvait tremper dans le vinaigre. Apparemment, pas du tout. Donc, non. Une fois que c'est durci, voilà. Jeter son pinceau, voilà. C'est pas récupérable. C'est même chose avec la peinture. Hein. C'est ça. Une laque, même chose. Hein. C'est ça, tout à fait. Une fois que c'est durci. Ça ne sert à rien d'essayer de trouver des produits chimiques, ça ne fonctionne pas. Avec les PU, là, il faut quand même toujours faire attention. Une PU liquide, à la limite, avec un peu d'acétone, quand elle est encore liquide, là, on peut l'enlever. D'accord. Mais il faut naturellement faire attention qu'on ne fait pas des dégâts sur des supports laqués. Oui, c'est ça. C'est du plastique, du PVC, voilà. L'acétone. Et puis le bois, pareil. Ça peut créer des réactions avec les produits de finition par l'acétone. Donc ça, on oublie. Ouais. On y reviendra plus pour les mousses, mais en termes de nettoyage... La PU, de toute façon, le plus simple, c'est de laisser sécher et de le jeter une fois que c'est séché. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la meilleure solution. Voilà. Exactement. Là, avec les produits hybrides, il n'y a pas trop de soucis. On a une lingette, par exemple. D'accord. Là, c'est bien pour prendre les excès. Les lingettes, la plupart des lingettes qui sont sur le marché, ce n'est pas fait pour dégraisser les supports à encoller. C'est pour le nettoyage. Par après toujours. C'est ça. Ouais. C'est le nettoyage par après. Il faut parce que c'est quand même un peu de gras. Ça. Donc c'est quand la colle est encore un peu fraîche. Fraîche. Oui. Mais pas directement quand ça vient d'être appliqué. Il faut laisser que la croûte se fasse légèrement, on va dire. Ouais. Une fois qu'on sent que c'est... Quand on met son doigt dessus, en fait, notre doigt n'adhère pas, mais c'est toujours mou. Ouais. Là, on peut essuyer. Oui, et le plus facile aussi, aller avec l'extructant de colore, après une heure, c'est durci. Hein. C'est ça. Là, il ne faut pas avoir trop de soucis. OK, à ce moment-là, après une heure, on est à peu près à 15-20% de sa force finale, mais on peut déjà prendre la pièce sans que ça tombe. Hein. Que vous parlez de pièces qui tombent, etc., est-ce que dans ces cols-ci, il y a des cols qui permettent de fixer au plafond assez rapidement ? Non. Dans les cols à bois, non. D'accord. Donc là, ça sera peut-être dans les cols de montage. Là, on doit aller vers les cols de montage. Parce que, demain. Voilà. Parce que là, pour ce type de cols-là, on doit toujours pouvoir serrer quelque part. C'est ça. Ouais, serrer durant... Toutes ces cols-ci, quoi qu'il arrive, il faut un minimum de pression pour que la pièce... Ouais. Et certainement, le minimum, justement, là aussi, l'extructant de color. Parce qu'elle est plus grasse. Voilà, comme une polymère a besoin de nettement un peu plus de place pour avoir un bon encollage. Et là, la pression qu'on met est moins importante. D'accord. Donc là, on n'est pas obligé de presser aussi fort. Non. Même à la limite, avec un tape, on peut le même faire. Hein. Ah oui. Moi, j'explique toujours quand je vais en clientèle, simplement, je schématise, on est bien d'accord. Mais si vous voulez que les deux morceaux de bois, vous mettez votre structure entre les deux, vous pressez comme ça, et puis vous maintenez avec un tape. C'est ça. OK. Ça, c'est avec les cols polymères hybrides. Et justement, c'est facile sur chantier, quand on n'a pas tous les outils avec soi, d'aussi pouvoir faire un encollage D4. C'est ça, Tout à fait. Parce que sinon, avec les structures classiques, on a quand même besoin d'un serre-joint. C'est ça, pour coller, on l'a utilisé d'ailleurs, pour coller les contours d'un escalier escamotable, des moulures sur le bord, etc., avec du scotch sur le plafond, etc. Ouais. OK, je crois qu'on a fait le tour. On va passer aux questions. Je ne sais pas du tout le temps que la vidéo a duré ici, mais on va passer aux questions. Donc, si vous voulez quelles questions, de toute façon, je mettrai dans la description de la vidéo toutes les thématiques. Et puis, donc, on passera aux autres produits, mais ça sera pour demain. Allez, on vous reprend après. Je regarde un petit peu le listing des questions. Et puis, ça va ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien, oui. Ça va.
Alors, on va passer aux questions que j'avais relevées un petit peu sous la vidéo. Alors, je ne sais pas si toutes les questions auront une réponse, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de questions, et on a déjà donné beaucoup d'informations, je pense. Mais il y a certaines questions, je trouve, assez intéressantes, et je vais commencer par une concernant le côté écologique d'école. Alors, on nous a parlé d'une marque américaine, bon, je ne citerai pas de nom, parce que apparemment, moi, je connais pas, d'accord, qui aurait des vertus de résistance et écologique au-delà de toute l'école en général. Alors, est-ce que vous avez une colle, je vais dire, moins toxique, on va dire, en tout cas au niveau des colles blanches, et est-ce qu'il y a réellement une plus-value avec cette fameuse colle américaine, hein, ou pas? Bah non, parce que là dans cette colle américaine, alors, c'est aussi... Alors, attends, je te coupe juste pour une chose. Combien de temps est-ce que tu restes ici encore chez Rectavit? Une semaine, voilà. Non, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Il y a une certaine objectivité aussi dans les propos, parce qu'il ne reste pas chez Rectavit. Donc ça veut dire qu'il pourrait très bien vendre sa cam, comme on dit, en disant « Oui, non, chez nous, c'est nickel ». Il faut savoir que Bernard, il ne reste pas chez Rectavit. Donc voilà, il est là depuis des années, a priori. On voit qu'il maîtrise clairement son sujet. Il veut approfondir justement la chimie des produits. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça maintenant? C'est pour démontrer qu'il a une certaine objectivité dans ce qu'il va dire. Qu'on ne cherche pas à démonter une marque plutôt qu'une autre. C'est juste pour donner des informations qui sont justes. Et je pense qu'en plus, il est bien placé pour le savoir, puisqu'il s'intéresse vraiment à la chimie des choses. Et donc, c'est assez intéressant. C'est important pour moi de préciser les choses. Quoi. Merci. Dans cette marque américaine, c'est aussi des colles blanches. Ils disent colles jaunes parfois. Mais c'est encore toujours de la polyvinyle acétate. Ouais. Okay. Dans cette gamme-là, ils ont aussi des colles polyuréthane même. Mais aussi, par exemple, c'est vrai, ils ont la Hide Glue. C'est une colle à base de peau, en effet, qui est à ce moment-là nettement plus écologique. Ce sont aussi plutôt des colles. Une Hide Glue, c'est une bonne colle. Hein. C'est en D1 parfait. Aussi facile à défaire, parce qu'à ce moment-là, quand même, de plus en plus dans tout ce qui est renouvelable, en humidifiant, à mettre de la vapeur dessus, à la limite. Là, et c'est par exemple des colles qu'on utilise souvent pour les instruments. C'est ça. Allez, pour les violons, des guitares, d'accord. Ce sont ces types de colles-là qu'on va souvent utiliser pour ça. Mais dans leurs autres gammes, non, ce sont aussi... Donc il y a vraiment une colle spécifique qui se démarque en termes d'écologie, etc. Mais toutes les autres colles n'ont pas spécialement de résistance supérieure et certainement pas de vertu écologique au-dessus des autres. Par exemple, nous on peut dire, on le marque pas vraiment, c'est marqué sur notre site. La 233 chez nous, c'est une colle PVAC avec une très faible émanation de formaldéhyde, par exemple. On en trouve partout des formaldéhydes, même une pomme, l'odeur d'une pomme, c'est de la formaldéhyde aussi, hein, mais non toxique à ce moment-là. Ici, on est aussi dans un taux de moins de 10 parties par million. D'accord. 10 ppm, c'est ultra bas. Bon, voilà. Par contre, des chiffres, je vous fais confiance. Mais c'est très, très bas. À ce moment-là aussi, on peut dire que dans les colles blanches, c'est une colle à faible. Toutes les colles blanches sont quand même très basses en termes d'émission, etc. Oui. Donc, c'est c'est un argument marketing qui est fait, mais mis à part celle à la peau, on va dire, c'est quasiment toutes les mêmes. En termes de résistance. Alors, moi, je précise par contre que je ne connais pas cette colle. C'est-à-dire qu'on m'a posé la question. Je sais que Swan en a parlé justement parce qu'il est fort impacté par sensible le côté. À l'écologie. Voilà, sensible, pardon. Merci. À l'écologie, etc. Et donc, c'était important pour moi de poser la question parce que je suis également sensible à l'écologie étant donné que j'ai des abeilles et que, c'est quelque chose quand même. C'est très important. Voilà. Ouais. Donc. C'est quelque chose qui me touche aussi, mais je ne connaissais pas cette colle, je n'en ai jamais acheté, mais c'est quelque chose qui est, à mon avis, de nouveau promu sur YouTube, un petit peu comme beaucoup d'autres produits, avec certaines vertus. Ici, de nouveau, je précise, il n'y a aucun partenariat entre Rectavit et moi, j'ai toujours payé mes produits chez eux, il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien, ils sont venus présenter leurs produits, c'est une vidéo non sponsorisée, que les choses soient bien claires. Alors, deuxième question. Comment nettoyer la colle blanche? On en a parlé. Est-ce qu'on sait récupérer les pinceaux? Non. Si ça a séché, on les met directement dans de l'eau et là, il n'y a aucun problème. C'est ce que je fais. Comment nettoyer les taches de colle? On en a parlé. Alors, comment coller un miroir? Comment coller des vitres transparentes, mates, etc.? Ça sera pour demain parce que ce n'est pas repris
dans l'école. Oui, c'est ce qui est collaboratif. Voilà, voilà. Ça, plus c'est des écoles de montage. C'est dans l'école de montage, donc ça sera pour demain. Alors, coller sur des supports humides. À la limite, humide, c'est quoi humide, hein? Mouillé. Voilà, une fois qu'on a une pellicule d'eau qui se trouve dessus, C'est mort. Non. En tout cas, avec les cols à bois, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y aurait éventuellement des cols de montage qui le permettent? Non. D'accord. Non. Entre guillemets, détrempé. Non. Ça va pas. L'adhérence ne sera. Mais sur un support humide, à ce moment-là, c'est toujours mieux de prendre une PU ou une hybride à ce moment parce que. Elles ont besoin de cette humidité plutôt que de la colle blanche qui, justement, elle, finalement, va se diluer dans l'eau. Oui, donc, la colle blanche doit rejeter l'eau pour sécher. C'est ça. Celle-ci doit absorber l'eau pour sécher. Tout à fait. Alors, une question qui, moi, me taraudait, que j'ai posée hors caméra, c'était le sel. Alors, est-ce que le sel a une interaction avec la colle blanche et est-ce qu'il y a réellement un intérêt de mettre du sel pour assembler des pièces entre Le sel, on va surtout utiliser pour que les pièces ne glissent pas entre elles. Le sel va se dissoudre dans la colle blanche. Et il n'y a pas d'interaction avec la colle. Est-ce que ça pourrait éventuellement créer une réaction justement avec les boîtes tanniques, etc. Le fait qu'il y ait un mélange de sel, d'eau et la colle, est-ce qu'il pourrait y avoir une réaction avec le bois? Pas nécessairement, non. Mais je ferais ça plutôt pour tout ce qui est intérieur. D'accord. Extérieur, là, je ferais quand même attention. Le sel, ça, vous n'en mettriez pas pour l'extérieur? Non, pour l'extérieur. Okay. Pour tout ce qui est en collage extérieur, parce que ça pourra sortir à un certain niveau. Intérieur, je ne vois pas de problème. Okay. Extérieur, il faut faire attention. Ok, voilà. Donc, comme ça, moi, j'ai appris quelque chose aussi, puisque je ne connaissais pas la technique. Est-ce qu'on peut utiliser dans ces colles à bois, les colles donc, du bois sur le métal, sur le plastique, sur du verre ou autre, dans les colles qui sont ici? À ce moment-là, on peut dire que certainement colle PU et colle hybride, ça s'encolle presque sur tout matériau. D'accord. Ouais. Alors, les matériaux qui ne se laissent pas coller, c'est polyéthylène, polypropylène. Alors, on nous dit toujours polyéthylène, polypropylène. Alors, honnêtement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des plastiques. Alors, par exemple, matière synthétique, disons plutôt. Le polyéthylène, c'est par exemple les buses noires du sanitaire. D'accord. Voilà, ces buses-là, on va les souder et pas coller. D'accord. Les tubes en PVC, gris ou... Donc ça ne fonctionne pas dessus? Sur... Le noir sur le polyéthylène, non. D'accord. Par exemple aussi, nos cartouches, c'est aussi de la polyéthylène. D'accord. Voilà, c'est pour ça que... C'est pour ça que ça n'adhère pas à l'intérieur. Les embouts, c'est la polypropylène. Même chose. Voilà pourquoi ça n'adhère pas. Non, mais c'est important parce que souvent, on nous dit, ça ne colle pas sur le PP, sur le PPC. C'est... OK, mais c'est quoi? Voilà pourquoi je pose la question. Ces jours-ci, aussi, on a les sigles de... Voilà, on est... Le 02 polyéthylène, maintenant pour tout ce qui est recyclage, on le doit mettre dessus. D'accord. De quel matériel? De quel matériel la cartouche est faite? C'est noté dessus. Voilà, mais c'est parce qu'au fait, ce sont des matériaux, à ce qu'on dit, avec une tension superficielle très bas. D'accord. Voilà. Et pour pouvoir faire un encollage, on doit aller en dessous de cette superficie. Et c'est très difficile. D'accord, donc ça veut dire que le matériau est beaucoup est trop imperméable finalement que pour que le corps puisse adhérer et pénétrer le matériau en fait. Oui, Donc voilà. Donc miroir, ça fonctionne. Plastique, ça fonctionne sauf ceux que vous venez de citer. Donc en gros, c'est tout ce qui est sanitaire, si je comprends bien. PVC, ça va. En sanitaire, on utilise aussi souvent du PVC. Le PVC, il n'y a pas de... Tout ce qui est tuyau noir, c'est ça qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ces colles pour du plaquage? Alors, la colle blanche, oui, mais au niveau des autres colles? Oui, à la limite, oui, mais comme c'est hyper fin et certainement une PU, comme ça gonfle un peu, c'est pas l'idéal. La colle blanche, nickel. Mais là aussi, il faut quand même, quand on utilise la colle blanche, il faut quand même aussi faire attention avec l'acidité de la colle, parce que c'est quand même des produits acides. D'accord. Et parfois, ça peut faire des réactions. Okay. Mais surtout plutôt des décolorations du bois qu'on peut avoir. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, quand vous faites du chêne, qu'on a une ligne gris. Oui, bleu. Bleu-gris, ce sont les tanins qui ressortent. Et comme c'est aussi
acide, dans un produit, un milieu acide, cet tanin vont mettre. Si on prend quelque chose de plus neutre, on a moins de soucis. C'est ça. Mais là, c'est dans le marché. On a aussi, justement, mais plutôt orienté vers l'industrie, alors des cols blancs spécifiques pour le plaquage qui sont à ce moment neutres en acidité. C'est ça. OK. Alors, temps de conservation des cols, donc on en a parlé, 2 ans, 9 mois, date de production. Et alors, est-ce qu'il y a des cols alimentaires ? Alors, alimentaires, nous, on n'a pas testé pour des objets alimentaires. Ça veut dire pour nous que si les denrées restent... Une planche à découper, il n'y a pas de souci. Alors, à ce moment-là, moi, je mets plutôt une PU. Ah oui. Oui. Donc, la PU, vous la considérez, je vais vous poser même une question personnelle. Moi, je fais des ruches. Oui. Pour faire mes ruches, j'ai deux planches à coller entre elles parce que c'est 32 cm. Mm-hmm. Je n'ai jamais trouvé des pièces qui font 32. Est-ce que je peux utiliser de la PU au niveau écologique, entre guillemets, par rapport aux abeilles? Est-ce qu'il peut y avoir une interaction chimique ou pas du tout? C'est-à-dire que le composant extérieur de la colle, est-ce qu'il... quand on est en contact avec, est-ce que ça peut poser un problème à l'organisme ou pas? En gros, c'est un peu ça. Oui, en gros, c'est ça. La PU, une fois qu'elle est sec, elle est neutre. D'accord, donc il n'y a plus d'émanation. Donc voilà pourquoi on peut la mettre sur une planche à découper. Aussi, une planche à découper, on la met souvent dans l'eau. Il y a même des gens qui la mettent dans la machine à laver. À ce moment-là, on a besoin d'une colle qui soit à l'humidité. Tout à fait, à l'eau. Et à ce moment-là... Mais en termes de nourriture, il n'y a vraiment aucun problème. Non, non. Donc même pour les jouets pour enfants, etc., on peut très bien utiliser de la... Là, c'est autre chose. OK. Là, c'est autre chose. Non, jouets enfants, jouets enfants, là, c'est autre chose. Même chose si on prend des emballages où on met vraiment des denrées qu'on va stocker. Des denrées dedans pendant des mois. D'accord. À ce moment-là, il faut avoir en effet des cols spécifiquement contrôlés. Et ça, est-ce que vous avez ? Non, ça, on n'a pas. Donc chez vous, vous n'avez pas ? Qu'il y a, sans citer spécialement de marque, est-ce que ça existe ? En petit conditionnement, c'est difficile à trouver. Ah oui, donc ça va être plutôt des trucs pour l'industrie. Voilà. Mais au niveau particulier, comme moi, par exemple, si j'ai juste une boîte à faire décorative, je ne trouverai pas dans ce type de conditions. À ce moment-là, une PU, moi je trouve qu'une PU, à ce moment-là, c'est la PU qui fonctionne le mieux parce que justement, elle est inerte finalement. Elle est neutre une fois qu'elle est. Parce qu'il faut voir, parce que la PU se trouve dans tout. Allez, par exemple, les mousses dans nos lits, c'est aussi de la PU. Oui. C'est super important. Ces questions-là, moi, elles m'intéressent. Les gens les ont posées, et je dis pour mes abeilles. Souvent, on me dit, tu mets de la colle pour coller tes éléments pour les abeilles. Mais à un moment donné, soit ça ne tient pas. Mettre des vis, oui, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut aussi refermer. Et donc, moi, en effet, j'utilise votre structane, mais je me posais aussi la question de me dire, tiens, est-ce que ce n'est pas plus toxique finalement qu'une colle blanche? Donc, colle blanche en extérieur, ça ne fonctionne pas. Non. Parce que la D4, est-ce qu'elle est moins toxique finalement que la... La D4, la 233 D4 colle blanche fonctionne bien sur les bois... moins dense. Oui, donc le sapin, le glace, ce genre de choses. Tout ça, oui. Une fois qu'on va dans des bois plus denses, à ce moment-là, il faut plutôt... Partir sur de la structane. Donc moi, ici, les ruches s'arrêtent. Attention, c'est du glace, mais les ruches travaillent énormément. Parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Il n'y a pas de protection. Et elles sont soumises aux intempéries. Il faut aussi savoir que, on dit que ce sont des cols pour extérieur, mais... Personne, pas nous, pas nos collègues, peuvent donner une garantie pour que les assemblages ne s'ouvrent pas. C'est ça. Donc, en gros, ceux qui vous disent que mettre de la structane dans l'assemblage, ça étanchéifie l'assemblage, c'est faux. Le mieux, c'est les structanes colores. Oui, ça va étanchéifier. Mais celle-ci, ça ne va pas étanchéifier la totalité du... Parce qu'il faut, en D4, la norme l'a dit aussi, il faut encore toujours la protéger. C'est ça. Il faut toujours qu'on remette une finition. C'est ça. Oui, tout à fait. Et le bois qui a une finition travaille nettement moins. Oui, bien sûr, que le bois qui est à nu. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Alors, une personne, parce qu'il faut savoir qu'on nous regarde un petit peu partout, ça me dépasse aussi. Est-ce que vous vendez vos cols au Canada ? Non.
Non ? Où vendez-vous vos cols ? Bah, nous, on est belges. On travaille surtout France, Belgique, Luxembourg, un peu les Pays-Bas. Voilà, d'accord. Ça, c'est notre créneau. C'est vraiment Benelux. C'est Benelux, voilà. Et France. Oui, ah ouais, voilà. Ouais. France. Enfin, bon, nos amis français. Voilà. Ok. Ouh. Ouais, j'ai encore mais c'est pas grave. Si c'est la France, ça va pas. Donc la France, ça va acheter. Alors, est-ce que vous vendez en direct, parce qu'il faut savoir qu'on nous demande toujours des liens, etc. Ou est-ce que justement vous vendez et ça m'intéresse. Via les revendeurs. Voilà. Donc, très clairement, on demande certaines choses à leurs vendeurs. Donc très clairement, on respecte leur travail et on ne passera pas dans leur dos. Vous ne vendez pas aux particuliers ou aux professionnels en direct. Vous devez aller chez des revendeurs. Ouais. Voilà aussi pourquoi je trouve ça intéressant de faire venir ces entreprises, comme la vôtre, comme Rubio, etc. C'est que, ou même Garnotech, c'est des gens qui font vivre d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien être revendeurs uniques, vendre leurs marchandises sur leur site web, et puis se faire l'argent pour eux. Non, il y a ce côté, j'appelle ça une économie circulaire et une énergie circulaire. C'est-à-dire que vous fabriquez quelque chose, vous le diffusez, et tout le monde a sa part du marché quelque part, puisque vous gagnez votre vie, et tous les différents distributeurs gagnent leur vie également, et n'ont pas un seul monopole. C'est important aussi pour moi de parler de tout ça parce que Rubio fait la même chose, Festool fait la même chose, donc Festool c'est un de mes partenaires, et Garnotech pareil, c'est-à-dire que Garnotech, si vous achetez sur leur site internet, c'est d'office transféré via un revendeur, donc ça faut savoir aussi, c'est des choses qui me tiennent à cœur, c'est des bêtises, mais je ne ferai jamais venir une entreprise par exemple qui vend en direct et qui s'en fout du truc, voilà, comme Nike ou je ne sais quoi d'autre. Par contre, à l'inverse, si vous avez besoin d'une info, vous pouvez vous rendre sur le site de Rectavit. Vous envoyez un mail. Tu l'avais dit, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour la bombe personnalisée. Donc, je mettrai de toute façon les coordonnées de Rectavit. Alors, je ne sais pas si c'est les tiennes ou c'est celles de Rectavit direct que j'ai mis. Voilà, je mettrai les coordonnées. Donc, si vous avez des demandes d'informations, comme moi j'ai pu le faire pour une démonstration, donc c'est Thierry qui était venu le faire gentiment pour les bonbonnes ou autres, eh bien, vous prenez contact avec eux et ils seront à plaisir de vous donner les informations que vous souhaitez. C'est toujours bien de savoir vers quoi on va. On y reviendra demain, justement, sur les cols pulvérisables, etc. Parce qu'il y a tellement de choix et tellement de différences qu'on ne sait pas si ça correspond à notre projet. Et des fois, certaines cols ont un certain coût et c'est quand même assez dommage d'aller investir une somme assez importante pour se rendre compte, finalement, que ce n'est pas la colle qui est adaptée à notre projet. Voilà. Alors, y a-t-il des précautions d'usage à prendre pour l'extérieur ? Je pense que tu l'as dit, c'est-à-dire le taux d'humidité du bois d'une part, utiliser la bonne colle en fonction de l'endroit, parce qu'on peut être à l'extérieur, mais extérieur couvert ou non couvert. Tout à fait. Donc voilà, il y a. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour pour l'école intérieure, en tout cas pour l'école à bois. Donc je vous dis à tous une bonne soirée et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Merci. À bientôt. Au revoir.